Allez, on est reparti. Le deuxième match sur Sanok. Allez, on bouge vite. J'ai du fight. Sur Bootcamp. Entre la 10-11 et la Somalia Force. On va avoir pas mal de fights là. Allez hop. On va gérer ça après. Et là, faut pas qu'on rate le fight. Ça fight. Aussi du côté du Sénégal et du Niger. Ici, on est face à la Somalie et le Nigeria à Bootcamp. Des pistes qui est déjà en contact avec la team du Niger. Il ne reste que Zenos. Ouh, la greue du 10-11 Amar qui connecte. Eh bien, on a aussi du monde à Samy. Hein. Pas mal de team à Samy. Hein. Qui apparemment a décidé de ne pas laisser le fight, qui se retrouve à 1v3. Aïe. Alors du côté de Samy, voir ce qu'il en est. À Samy, j'ai trois teams. Hein. J'ai la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Ah oui, désolé pour ceux qui suivaient le live. Apparemment, le live s'est coupé et ça a relancé sur le mauvais. Ah là là. Maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que c'est embêtant quand ça fait ça d'abord? Et du coup là c'est bon, normalement vous pourrez suivre le live tranquillement. Du coup, revenons à nos moutons. Ben, Bootcamp toujours en fight. Ah, c'est du fight du côté de la RSG. Vite, on doit aller voir ça. Ouh, c'est parti.
on a pris le fight. Etsurwanad qui a essayé de se soigner. Soyasir qui arrive à la rescousse. Ça réanime. Dis-11 Bego. Qui se retrouve tout seul. Joli. Et malheureusement, qui s'est fait prendre. J'ai la rage fury. Qui a dû entendre des tirs qui vient par là. La rage fury qui profite aussi. On va essayer de venir gratter des kills. Alors on a le Botswana et le Nigeria en plein fight aussi. Venez, on va aller jeter un coup d'œil au Botswana. Une autre grue de terre LB qui connecte. La Go qui a repéré la Crash Fury qui passait par l'eau. That guy qui est lui déjà au corps à corps. Oh joli! Là, ce gars qui vient de prendre deux joueurs de la TER. La TER qui ne se retrouve plus qu'à deux à présent. Ça va être dur cette zone. J'ai déjà des players qui bloquent le pont. La TER. La TER et la RSI. Quoi, on était perdus. La TER et la RSG qui se guettent. Oh, regardez-moi tout ce monde là. Pas mal tout ça. Mais que fait Go aussi loin de ses teammates? Attention. Eh oui. Trop loin, trop loin. Go qui était de l'autre côté. Allez, nous sommes dans le top 12. Et c'est beaucoup trop calme.
Allez, on va vite bouger. Parce que ça va aller vite sur Sanok. Sur cette position. Très vite d'ailleurs. Voilà le Gabon. En fight. Avec la ultima rage. Madagascar, Fakisa Gabon. Il y a deux foires qui est juste de l'autre côté. Notre zone qui rétrécit. J'ai encore dit 12 teams. Encore debout. Allons voir ce que fait la sainte. Pour l'instant, elle attend sur l'autre rive. Ah, la X-Space. La X-Space qui est pour l'instant bien dans le classement. Mou ce soir, la X-Space. Allez, ça rota. Et on va vite aller du côté de la S4. Voilà. Il va pas tarder à croiser la X-Space. Et ça se spray. Oh, joli spray de RSG Quila sur la Mauritanie. Et oui, ça commence à spray un peu partout. RSG That Guy qui se retrouve seul. Sainte de l'autre côté de la rive qui va devoir traverser.
qui est sur la hauteur. Il s'agit de la Somalia Force. Il s'agit de la Somalia Force. Mais qui va devoir entrer en zone sous peu. D'ailleurs, la Ultima est en pleine rotation. La Rashuri qui est en train d'assommer des joueurs. Et qui se fait assommer également. Et... Ah d'accord, j'allais dire, mais comment? Ça commence à spray un peu partout. La Côte d'Ivoire qui a un visu sur la Mauritanie. Et qui récupère des kills. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. On est au contact. Madagascar face à Madagascar sur la colline. La Sainte et la Ultima. Tandis que la Rashuri cherche des kills, elle également. Fort aussi, attention, en plein spray et qui essaye de rejoindre la zone, c'est Yassir qui recevra des balles de représailles de la X-Space de l'île Maurice. Et la zone qui va être sur l'eau. Il va falloir vite prendre exactement cette position-là. La Côte d'Ivoire qui bloque l'entrée en zone sur la Sainte de Madagascar. La X-Space qui doit aussi regagner la zone. Le Gabon doit fight avec la Go du Nigeria pour pouvoir passer. La Sainte qui est en zone et qui se fait spray. Ouh, Golden Blink qui se fait assommer. Ça tire de partout. La Côte d'Ivoire qui avance pour entrer en zone. L'esprit du Gabon sur le côté droit. Botswana. Et île Maurice. La Rashuri qui a récupéré les kills. Tandis que de ce côté, on est en fight. Nigeria-Côte d'Ivoire. Oh, go iconique.
Il ne reste que Gold Blink qui essaye de se soigner. Et oui, Scarlet s'est fait prendre par Gold Blink. Attention l'esprit en face. La zone qui arrête ici. Ice Picky. Skinfight qui arrive et qui vient de terminer avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le top 4. Avec Tokyo qui a réussi à survivre. La X-Space juste sur les rebords. Attention l'agro, et oui, l'agro qui finit avec Rack Tokyo. Le Gabon au lobby. Il me reste l'île Maurice. L'île Maurice et le Botswana. L'agro de Skyfy qui reçoit des balles. Ouh! Blunty qui push. Blunty qui réussit son avion. Terre Jaros. Blunty qui meurt hors zone. La X-Space qui a 5 kills. Crazy Guy qui blague pas mal ce soir. X-Titan qui met des grues sur Terre Jaros. Terre Jaros qui est au calme, qui gère la situation. Sans faire de bruit, Terre Jaros du Botswana attends calmement. X-Space Titan. X-Space Titan. Et Terre Jaros qui se fait choper. Top 1 pour la X-Space de l'île Maurice. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.
Stop. God, don't feeling good.
I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. Looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feeling good. Yeah, but up at 2 and off I go. Pretty afternoon, it's a best boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but up at 2 and off I go. Pretty afternoon, it's a best boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Thank you, Danny Brown. Danny, why you kill me, bro? Yeah, man, good luck. Ah, là, là. Open eye.
Hello. Let's go. Pour le dernier match de ce lobby. Quel dernier match? Troisième match. Hey. Oui, parce qu'il reste encore un autre match après. Du coup, on est parti pour le troisième match de ce soir sur Erandiel. Et on veut voir du sang. Faut que j'aille me chercher à boire. Allez. Ouh, ça a pas mal sauté là. Je pense que ça a même trop sauté. Mais dites pas qu'ils vont tous aller au même spawn. Oh là là. Ils vont m'obliger à être réactive. Moi qui pensais que j'allais être tranquille pour le début. Eh ben non. Allez, on va vite se concentrer. Parce que là, c'est sûr que ça va partir en cacahuète. Hein. Ayasnaya. J'ai trois teams. J'ai la Dose of War de Mauritanie, la IoT du Sénégal et la Rachid Gaming du Nigeria. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Somalie? Apparemment, on a chopé un kill. Ouais, on a chopé un kill au Gabon. Rien à signaler de ce côté-là. Le Sénégal qui se rapproche. Le Sénégal qui a besoin de points. Et qui apparemment est décidé à aller chercher les kills. Le Sénégal qui s'est déjà rapproché de la Rachid. Le fight a commencé du côté de Yasnaya. Et oui, c'est chaud à Yasnaya. Ça fight dur. Dadia qui prépare ses greux. Tandis que j'ai un autre fight du côté de la UNV et du Niger. La IoT qui a récupéré des kills sur la RSG du Nigeria. Faudra vite se soigner parce que j'ai la Mauritanie qui se rapproche. La UNV. Asseverny. Nfkouza. SSS Yad. Joli spray
de Yad. Oh, qui vient de prendre deux joueurs de la INV. Mais Flank est là pour sauver ses camarades. SSS Shintok qui est en train de prendre l'aria. Oh, désolé, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais je mets Shintok parce que c'est chinois. Oh, Seigneur. Ouh là là. Ça commence à chauffer un peu partout, hein. Allons voir ce qui se passe du côté de la 10-11. La 10-11 et la Ultima Rage qui sont en fight. Madagascar face à Nigeria. 10-11 Fex qui s'est assommé tout seul. Avec sa grue. Ouh là là. Il ne reste que 10-11 bigot dans cette team. La UNV qui, elle, a terminé avec la team du Niger à Severny. Aïe, aïe, aïe. On a perdu pas mal de morceaux, là. On a perdu déjà deux teams dans la première phase de zone. Hein. C'est chaud partout, hein. Ça va aller très vite sur Erangel. Allez, maintenant on va aller voir ce qui se passe vers Yasnaya. Parce que ça se regroupe pas mal vers là-bas. J'ai encore des teams en zone. Ça retard pour la X-Space. C'est gâté, même. En tout cas, c'est gâté. Ah, cette fin de zone va être terrible. Crazy Land. Ça rota un peu partout. La Saint aussi qui bouge en zone. Et oui, la Mauritanie qui suivait de près le Sénégal.
et qui vient d'avoir Iote Zenos. Il ne reste que Iote Lucifer et Dems dans cette team. Ça route à... pour toutes les teams en vrai, ça bouge. Daryl, oh, mais qu'est-ce que tu racontes? X-Face, et la Ultima. Je sais, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer ce qui se passe. La go en spray sur la Mauritanie. Notre zone qui a pas mal rétréci. Pour l'instant, il nous reste encore du beau monde. 43 players encore dans cette petite zone qui va se rétrécir. Allez, alors regardez ça. La X-Space de l'île Maurice qui est en rotation. Oh, et qui se passe par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui profite pour récupérer des kills. Attention, on se dirige vers le Sénégal. La X-Space qui cherche un bon coin. En zone. Tandis que ça dans ce côté de crazy. Eh ben, on joue plus bordure de zone. Avec la zone qui pique, c'est pas le plus idéal, non. UNV. Et oui, car visuel sur le Gabon, ça se prête. Le Gabon qui est en rotation. Ouh, Pacosiris qui vient de se faire un sommet.
Oh, ça fight du côté de la Ultima. La Ultima et la Saint. Notre zone qui rétrécit encore. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe du côté du Sénégal? Hello Lionel, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça bouge pas mal là. Ça va chauffer. J'ai quand même pris le temps de te répondre. Pourtant, ici dans Fight. Alors là, c'est tendu. Allez. La zone va bientôt passer. Phase 4. Et ça va devenir l'embouteillage pour trouver un spawn. On guette 10-11 Bego, dernier joueur de sa team, encore en vie. Ah, ça faille du côté de la Rage Fury. La Mauritanie et l'île Maurice. Ça a assommé, on décide de push. Attention, Rage Fury Paraboy qui a déjà réanimé. Oh! Faut passer aux armes là! Plus le temps pour la greuve! Joli! Oh, 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 oh. Crazy Line! Crazy Line aussi qui prend des balles par derrière! Il me reste que Red Line. Red Line, Paraboy qui vient d'arriver! Redline qui récupère aussi. Il ne reste que Skify dans la team de Rage Fury. Ça réanime du côté de la Mauritanie qui récupère des kills. C'est la UNV qui vient d'arriver pour profiter de la situation. La UNV qui ira finalement en zone. J'ai encore des joueurs en zone. Alors là, la Rage Fury et la Mauritanie. Et la Rage... Oh! On a perdu la Mauritanie. Aïe, aïe, aïe. Et ça rota. Notre zone a bougé. Il me reste encore pas mal de teams là. Ouh là 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 là. 30 players. Encore en vie.
dans ce petit coin. Ça fight du côté de la TVR, du Wakanda. Aïe. On a perdu la TVR face à la Sainte qui se fait à présent push par la Ultima qui vient profiter de la situation. Ouh. La Ultima qui est venue récupérer le spawn tandis que la Côte d'Ivoire spray. Hi, c'est tendu hein, ce soir. Et qui? Allez, on va aller vite sur la Somalie. Ça bouge en zone. La Somalie qui arrive aussi par là. Nous sommes dans le top 9. La Ultima qui a bougé. On vient de finir avec la 10-11 du Nigeria. C'est la Côte d'Ivoire qui gardera les bords de zone. Au centre, on a la Go, très bien positionnée. La Ultima qui va chercher une position en zone. La UNV également. La team UNV d'Afrique du Sud. Titan qui était tout seul, qui vient de rentrer en zone, qui profite pour récupérer les kills. X-Titan qui se fait spray. X-Titan qui se fait spray et qui a le temps de finir sans kill quand même. Ça spray. Nous sommes dans le top 6. La Rise et la S4 qui sont tout prêts. La Ultima Rage qui est tombée sur la RAG. On choisit un coin extérieur, obligé, et ça met des fumis. Sur cette zone, sur cette fin de zone sans fumis, vous n'avez aucune chance. C'est parti, la Somalia Force qui décide de push en véhicule. Et Soraya Sir qui est déjà au corps à corps. Et Soraya Sir qui récupère Ice Momo mais qui se fait prendre à son tour. Et Soraya Sir. Ice Piki. Oh, collision de véhicule. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? La ULV. La UNV qui a crash sur la GO.
Mais c'est chaud. Cette affaire-là, vraiment. Oh là là. Go Iconic. Go Iconic qui se fait prendre et c'est terminé pour la God of War du Nigeria. Ça met des fumis. Ça met des fumis pour avancer en zone. La Ultima qui bloque. La Ultima qui bloque. L'entrée en zone de la UNV. Il ne reste que un flank de ce côté. La S4 toujours en vie. La Somalia Force. On a un 10 kills du côté de la UNV. Ah, 5 pour la Somalie. Et 10 pour la Ultima Rage également. Attention au Greux de Moon. Sur S4 Yassine. Oh, S4 Ib qui vient à peine d'arriver et qui reçoit une greu. Ah là 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 là, on va essayer de prendre l'aria. Les greux de Moon. Un flank qui vient d'arriver. Sur la position de la S4 et qui push, qui n'a rien à perdre. Nous sommes dans un top 2. Ultima face à S4 Madagascar. Ouh, joli spray de S4 Im sur LRGR Pold. Moon, et oui, nous avons un autre top 1. Pour la Ultima.
Ah!
hopefully not until I feel the wind blow in my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. What am I always looking for? Shame when it's hot, I've been low key and I'm trying to stop. God damn, feeling good. Yeah, but I'm about to when off I go. Pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but I'm about to when off I go. Pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. Wonder if you mood, hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. What am I always looking for? Shame when it's hot, I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but I'm about to when off I go. Pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but double two when off I go. Pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. I slipped to my heart, but I did to my babe. I slipped to my heart, but I did to my babe. Yeah.
Allez, on est reparti, les amis. Sur Air Angel pour la dernière map de ce lobby. Et bien sûr, pour le dernier match des demi-finales. Qui nous donnera notre top 16. Qui se qualifiera pour la finale. Et apparemment, ça a déjà commencé à tirer dans certains coins. On va pas traîner. On va vite voir ce qui se passe du côté de la go. Ça se prête sur la terre du Wakanda de Botswana. On va avoir du fight. C'est Vernie, la UNV et le Niger qui sont de retour. Apparemment, nos teams ont décidé de venir faire un tour encore à Vernie. On garde les mêmes spawns. Et apparemment, on est venu se venger. Et oui, du côté du Niger, ils sont fâchés. La greu, et oui, la greu de SSL Shintok qui connecte sur Envlinks. J'ai M. Snoopy qui vient à la rescousse. M. Snoopy, SSS qui s'en va confirmer le kill. Snoopy qui ne pourra pas sauver son camarade. Pendant ce temps, M. Cousin en train de marteler SSS Kino. M. Snoopy joli. M. Snoopy qui continue, qui push. Attention M. Snoopy qui se fait rejoindre par un flank. Un flank. Aïe, 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 on est fâché. Ah là là, pas de haine, la famille. SSS Yad qui n'est pas encore là. Aïe. Qui vient d'arriver. Et qui, malheureusement, va trouver sa team au lobby. Fou, fou, fou. Alors, Lionel, Instagram, c'est Africa Rise. Faut taper Africa Rise. Alors, attends. Attends, j'appelle Vianney qui te donne le lien. Parce que moi, là, je ne peux pas bouger. On va garder un œil sur ce qui se passe par là. Et Asnaya aussi. Tandis que de ce côté, ça bouge sur SSS Yad. Oh là là, SSS Yad. Oh là là, c'est la vengeance. Pourquoi tant de haine? Aïe, aïe, aïe. Du côté de la go. Ça bouge sur Ashuri Blanty. Par Ashuri qui vient d'arriver. Oh là là. Go Fierce. Qui a les flanques. Mais qui malheureusement, attention, on a des joueurs de la Rage Fury qui viennent d'arriver. Et oui, au cover de leurs camarades. Ça fight aussi du côté de la Mauritanie et du Nigeria. Rage Fury qui se fait push. Aïe. On a perdu la Mauritanie aussi. Du côté de Yasnaya. Eh ben, ils sont pas gentils hein, ce soir. Ouh. Skyfy qui se fait mettre à terre
Il me reste plus que Pyro Boy. La Go est fâchée, hein. Fury Pyro Boy qui s'en sortira pour l'instant. Discretos. Allez, on va bouger un peu. On va aller voir nos autres joueurs, la Sainte Madagascar, qui doit faire un très beau match ce soir pour le dernier match pour pouvoir se qualifier. La RSG tranquille, pépère. Là, tu vois aussi qu'il a besoin de points en retard. Le Gabon. Allez. Alors, on va voir un peu. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? La Rota. La Rota qui se dirige vers l'est. Apparemment, toutes les teams ont décidé de rentrer par l'est. Voilà. Sarota. Dangereusement du côté droit pour toutes les teams. Faudra faire attention de ne pas perdre des joueurs dans la Rota. La Côte d'Ivoire et le Nigeria qui sont au coup d'être. Attention, on a la UNV aussi. Un flank qui vient d'assommer Ice Bait. Et qui se presse sur Ice Picky. On perd des joueurs en rota du côté de la Côte d'Ivoire. Oh, ça faille du côté de la RSG. Ah, on est toujours dans le même secteur. Il y en a pas mal de teams hein, dans cette rota actuelle. On a quand même 5 teams dans le même secteur. Ah, Gosiris qui se fait fondre par un flank. Et oui, il y en a trop de teams là. Trop de teams qui rota vers l'est. Non mais regardez-moi ça. Un flank qui décide de se rapprocher sur la position du Gabon. Non mais la RSG qui est juste derrière.
la Ultima qui passe par là aussi. Oh là là, ils cherchent tous des kills là. On est déjà à 6 kills du côté du Nigeria. Le Nigeria. Hey! Hey! That guy qui est trop vite descendu du véhicule là. C'est chaud. C'est chaud sur cette position. Ouais, j'ai trop de team ici. Beaucoup, beaucoup trop. Le Gabon qui se fait entourer. Oh là là. Le pauvre Gabon qui n'a rien demandé. Qui se fait entourer par autant de teams. La Ultima aussi qui est arrivée. Qui veut sa part du gâteau. Tout comme la UNV. Ça met des grues dans le bâtiment. Alors, j'ai vu du fight du côté de la Sainte aussi. On va aller voir ce qu'il en est. Mais ça fight de partout ce soir. La Sainte et la Somaline en plein fight. On est au contact. Oh, Saint Jiraya qui s'est emmêlé les pinceaux avec la porte. La petite greu de X-Low. La greu de X-Low. Tandis que la ULR. Oh! Jolie, la Somalie qui récupère ce fight. La Ultima qui est descendue. Sur la UNV. Tandis que Rex Poker a survécu dans le bâtiment. Comme RSGQ là. Oh là 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 là. C'était pas du tout une bonne zone de rotation. Et oui. Attention, Melio. Melio qui ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Aïe aïe aïe. Et oui, Smoker et Kula qui ne font pas de bruit. Il faut bien survivre. Hein. Smoker et Kula qui s'en sortiront indemnes. Ah. Ça me dépasse, ça ne bouge pas là. Allez, on va aller voir de l'autre côté au niveau de la Somalie. Salut. Et notre zone qui a bouché. Ultima qui, grâce à ses matchs, va pouvoir remonter au classement. Et oui, il faut vraiment récupérer des points pour pouvoir se classer dans le top 16. Oh.
Ouh là 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 là. Allons voir ce qui se passe par là. Entre la X-Space et la Ultima encore. La Ultima qui vient d'arriver sur la position de la X-Space. On est déjà au contact. On est déjà au contact. Sur la X-Space. Sur la greu. Il me reste que X-Crazy Guy qui prépare sa petite greu. Et on vient de perdre à X-Space. Ah, Daryl! C'est quoi ces bagarres? Alors. RSGQLA, toujours avec Rex Smoker dans le même bâtiment. C'est ça qu'on appelle la colocation. Ah, on est en colocation dans PUBG aussi. Ah, quand même. Ah, du côté de la Rise, on a perdu déjà deux joueurs. Il faut des points, il faut des points. On est déjà dans le top 8. Ah, ils ont raison de se cacher. De sauvages. Ah, et des sauvages. La Ultima qui arrive encore sur une autre position de team. La Ultima est fâchée ce soir. C'est la troisième team qu'on attaque de front. Ouh là 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 là. Ça sent pas bon pour la TER. Il va falloir être très très offensif face à la Ultima. J'entends des tirs. On doit bouger. À 10-11. Eh ben, on a pas mal de team hors zone. Hein. Allez, ça fight. Ah, RSGQLA apparemment réussi à prendre Axe Smoker. La colocation s'est terminée par la mort de son voisin. J'entends des tirs. Mais oui, mais oui, mais oui, ça tire. Mais qui tire? La TER. RSGQLA. Dernier joueur de la Rashild, la Somalie, qui se fait spray par la Ultima de Madagascar. Keller Moon, attention, Amy. Melio. Attention, ça se passe sur Polo. Eh oui!
Oh, Melio qui a raté de près. Véhicule en feu. Melio qui est obligé de crash. Attention. Joli spray de Melio. Tir S4 d'Ibala. Aïe. La Somalie qui vient de perdre 3 joueurs. Tandis que S4im met des fumis. Ouh là là. Se fait spray. Par la 10-11. La TER qui est en zone pour le moment. Notre zone qui devient toute petite. Ah, ce moment, la Côte d'Ivoire qui a perdu ses 6 coéquipiers. À 10-11 qui cherche à récupérer le Botswana. Ice Momo qui meurt sous la grue de ULR Slays. On a perdu la Côte d'Ivoire. Top 6. Nous sommes à présent dans le top 5. Terre Vanchou qui se fait spray des deux côtés. Tartare dans sa petite maison. Jaros qui essaye de back pour se faire rire. Oh, l'agro de 10-11 Amar qui a connecté. Top 4. On a 15 kills du côté de la Ultima. On remonte. Confirs. Et oui, Kofi, est-ce qu'il va pouvoir récupérer des kills? La 10-11 qui vient de se faire lobby. Nous sommes dans le top 3. Il ne reste que 3 joueurs, 2 teams. Botswana face à Madagascar. On est à 16 kills pour la Ultima. Et c'est terminé. Nous avons notre top 1. Troisième top 1 de la Ultima ce soir. Aïe, 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 aïe. Oh.
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on hypnotized by the sounds I'm breathing.